Ah si, je te jure. Les geeks sont bien meilleurs amants que les sportifs. Ouais. Bah là, je suis pas trop convaincue, tu vois. Bah si. Attends, c'est logique, réfléchis. Les sportifs, ils pensent qu'à une chose. C'est le sport. Ouais. Alors que les geeks, ils pensent qu'au sexe. Ça, c'est imparable comme argument. En fait, et ton copain, comment il va? Franck? Ouais. Il est mort. Il y a 3 semaines. Oh bah Sophie, je suis désolée. Bah y'a pas de quoi. Hein. En fait, je l'aimais pas. Oh, qui c'est ça? Ah! Éléonore. Tu sais, Greg est parti au cinéma avec Marc-Antoine. Bon, alors écoute-moi bien, ma cocotte. Cette fois, on va avoir une petite explication toutes les deux parce que ton petit manège de Saint-Titouche, là, ça commence à bien mais faire. Mais comment hein. Tu parles à ma copine, toi? Antoine Cruella, te mêle pas de ça, hein. Quoi? Comment tu m'as appelé, là? Comment tu m'as appelé? Hé, hey, stop! Une minute! On peut juste savoir pourquoi on va se battre. Oh, toi, essaie pas de m'embrouiller, hein. Tu crois que j'ai pas compris ton petit jeu? Tu crois que j'ai pas compris ce que t'essaies de faire avec mon Greg? Ah bon? Et qu'est-ce que j'essaie de faire avec ton Greg? Non, mais laisse tomber, Val. Hein. On peut pas discuter avec une folle. Je suis pas une folle! Ah ouais? Bah, on voit ça. Tu veux que j'appelle le veto, qu'on la fasse piquer? Stop, stop! Non, 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 on va pas faire ça. Greg nous en voudrait, c'est complètement con. Non, mais. Écoute, regarde là. Et on dirait qu'elle va éclater. Et tu sais, il lui manque plus que le marteau de 100 tonnes pour nous taper avec. Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ah non, non, rien. C'est pas grave. Écoute, Éléonore, tu veux pas te calmer 5 minutes? Moi, je comprends rien à ce que tu racontes. Donc, assieds-toi, prends le temps et raconte-nous ce qui t'arrive. Bon, d'accord. Je vais tout vous dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais tout. Oui? Mais encore? Et en plus, tu n'y m'aimes pas? Mais je vais te la péter, moi, ta jolie petite gueule! Non, mais là, ça suffit, hein! Tu vas pas recommencer! Parce que je veux bien être sympa, mais faut pas déconner non plus! Merde, tu débarques chez moi comme une folle, t'agresses mon ami, tu m'insultes! Ouais, va falloir qu'elle se calme, la conne de la com, hein! Oh, toi, la pétasse du Rocky Horror, je te conseille pas de la ramener, hein! Arrêtez! Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Sophie, tu t'assieds! Quant à toi, Éléonore, si tu te calmes pas tout de suite, c'est moi qui te vire un coup de pompe dans le cul! Merde! On n'est pas des mecs, quand même! Oui, bah, n'empêche que moi, j'ai des raisons de m'énerver, hein. Parce que c'est toi, hein, qui depuis le début, me pousse à bout, hein. C'est toi qui, depuis le début, essaie de me piquer, mon mec! Quoi? Oui, je sais tout, je te l'ai dit, car j'ai trouvé la preuve. J'ai trouvé un email que tu lui as envoyé qui disait... Tiens, je l'ai imprimé. J'ai passé ma vie seule, plusieurs fois, j'ai bravé la mort sans que personne ne le sache... Mais à présent, toi et moi, nous sommes un couple. Et c'est si dur à trouver en ce monde. Alors, c'est pas une déclaration d'amour, ça, peut-être? Ah, mais c'est ça. Mais moi aussi, elle m'a envoyé ce mail. Bah, à chaque fois qu'elle regarde Conan, elle saoule tout le monde pendant des semaines à citer les dialogues du film. Eh, hey, ça saoule personne quand je fais ça. Mais c'est ça, me prenez pas pour une conne, hein. Pas facile, hein. Mais non, mais Éléonore, c'est vrai. Y'a jamais rien eu entre Greg et moi, et y'aura jamais rien, d'ailleurs. Parce que c'est pas du tout mon genre. Tu parles. Greg, c'est le genre de toutes les femmes. Bah non, il est sympa comme colocataire, mais je pourrais jamais le supporter comme copain. D'ailleurs, toi, je sais pas comment tu fais, hein. Toujours aller à droite et à gauche. Quoi? Bah oui, oui. Toujours aller à droite et à gauche, je sais pas, pour son boulot, je veux dire. Toujours aller voyager à droite, à gauche, hein, Sophie? Ouais, ouais, pour le boulot. S'il est pêcheur de morue ou éleveur de dinde. Enfin, bref. Mais tu sais, à part chez oui, j'aime pas les mecs trop poilus. C'est vrai? Tu me le jures? Mais oui. Mais bon, faut me comprendre aussi, tu vois. Bon, quand je suis avec lui, il arrête pas de parler de toi. Avec Valérie, on rigole bien. Avec Valérie, on mange des schtroumpfs devant des films à la con. Avec Valérie, il y a jamais de prise de tête. Des fois, il y en a que pour toi. Enfin, Éléonore, tu sais bien qu'il t'aime. Oui, je sais. Bah alors. Tu sais, Greg, on s'entend bien, mais ça va pas plus loin. Ouais. Il paraît qu'avec Greg, ça va pas plus loin que 10 cm. Hé, hey, toi, tu parles pas comme ça du sexe de mon mec, hein. Et je te signale que quand il est en forme, il peut facilement monter jusqu'à 11. Et vraiment, je suis désolée pour tout ça, hein. Mais bon, tu comprends, quand j'ai lu ton email, j'ai vu rouge. Et puis bon, quand il était petit, je sais que Greg, il adorait Sailor Moon, alors forcément, la blonde, les couettes, la voix aiguë, toujours accompagnée de son petit animal de compagnie. Cette fois, je vais me la faire. Ready, forge. Hello.
Hello. Après, c'est bon, là, je te raccompagne. Allez, hop, on y va. Il est tard, on y va, c'est bon, merci. Ah, au fait, je t'ai ramassé deux, trois petites culottes, hein, je les ai mises dans le sac. Ah, mais quelles culottes? Bah, tu lui demanderas. Oh là là. Non, mais tu sais que je le plains, moi, Greg. Hein. Mais quelle conne. Ouais. T'aurais dû me laisser la taper. J'aurais pu lui faire mal.